Salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve pour le test de The Last Guardian sur PlayStation 4 et seulement sur PlayStation 4 car il s'agit d'une exclue Sony, éditeur et développeur par la même occasion, sortie officielle le 7 décembre 2016 et une belle moyenne de 16,5 sur 20. Bon, je reprends en plein milieu, donc du coup, bon, je suppose qu'il va falloir que je fasse ça. The Last Guardian, qu'est-ce que c'est? Eh bien, déjà, à la base, c'est un jeu, c'est le troisième jeu imaginé par le grand Fumito Ueda, à l'origine de Ico et de Shadow of the Colossus. N'ayant pas joué à Ico, je ne me baserai que sur Shadow of Colossus, qui est mon jeu préféré sur PlayStation 2. Dans un premier temps, vous dire les points positifs, il est beau. Et ce qu'il apporte est un gros point positif. L'amitié entre ce petit garçon et cette bête qui l'accompagne, qui s'appelle Tricot, que vous avez dû voir derrière la porte. De toute façon, vous aurez l'occasion de voir que cette chimère à pattes d'aigle, à corps d'aigle, enfin à corps d'oiseau, tête de chat chien mixée avec des ailes, enfin c'est assez bizarre. À savoir que Tricot, donc voilà, c'est une chimère, en fait ce sont des géants qui mangent, des créatures géantes qui mangent des humains. Pourquoi tu viens de mettre un coup? Alors bon, ça c'est une des caractéristiques du jeu, je peux donner des ordres à mon animal depuis que je passe un certain temps en sa compagnie. Au début du jeu, j'ai reçu une espèce de bouclier qui me permettait de mettre un halo de lumière sur un certain endroit. Et la queue de ma chimère pouvait balancer des éclairs à cet endroit pour exploser des barricades ou autre. Plusieurs petites interactions qui vous permettent d'avancer dans le jeu. Et les points négatifs, on y vient du coup, la caméra. L'IA de Tricot, ma chimère. Et le système de mouvement de ce petit garçon qui est très... comment dire... il est pas clair en fait. Le garçon est très maladroit dans sa façon de bouger et ça se ressent énormément sur le gameplay. Au moindre axe de caméra, le jeu va penser que vous allez faire autre chose et donc du coup vous n'allez plus lock l'élément qu'il fallait saisir ou autre. Bon, tu vas lâcher ça. Bon, ça, je sais pas. Ça, ce sont des instruments avec de la fumée bleue. Je sais pas quelle odeur s'y échappe, mais ça attire énormément les chimères. Au point de vous délaisser et d'être focus uniquement là-dessus. Je dis ça car auparavant, j'ai dû refermer une valve qui contenait une valve d'une cuve qui contenait que cette mixture bleue. Et Tricot ne voulait pas partir tant que... la fumée n'était pas dispersée. Il est attiré donc du coup par ces tonneaux bleus. Enfin voilà, tant qu'il y a des papillons autour, voilà, cette fumée bleue attire ces papillons et je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas voilà, les chimères en raffolent. Allez viens, je t'ai offert à manger là. Donc vous pouvez l'appeler, lui donner des ordres, lui dire où aller. Donc vous voyez comment il se déplace. Enfin c'est, je sais pas. Oui ok, on dirige un enfant, mais comment vous dire, la frustration est au menu dans ce jeu. Parce que, voilà, c'est très maladroit une fois de plus. Vous voyez, il vient de me donner un coup. Et puis après, l'IA, pour qu'il comprenne qu'il doit manger ça, enfin, je veux dire, voilà, là, t'as le temps de le manger. Mais non, vous voyez, il va toucher avec sa patte, il faut qu'il regarde. Ok, ça peut rajouter aussi un point positif, parce que ça fait le côté sauvage de la créature, qui appréhende, qui essaie de mémoriser, de reconnaître les objets... qui pourrait être potentiellement nocif pour elle. Donc tout ça, c'est voilà, c'est du temps perdu dans le jeu, mais ça offre aussi un petit point positif. Ce qui est bizarre dans ce jeu, c'est qu'il est difficile à négocier, à appréhender pour faire un test, d'où le fait que je sorte mon test aussi tard. D'habitude, je fais mes tests les jours de sortie du jeu, et même un peu avant, si les droits d'auteur me le permettent, pour éviter les strikes. Mais là, j'ai dû attendre un peu. Donc ça, c'est quoi? Alors oui, donc ça, ces espèces de mosaïques en verre. Tricot va avoir les yeux rouges. Ça veut dire qu'il en a peur. Voilà, oui. Voilà. Donc apparemment, il en a peur.
Une forme saisissante semble à celle d'un œil. Elle avait l'air de fasciner la bête et de la terrifier en même temps. Donc il faut les détruire. Quand Trico a l'œil, a les yeux jaunes, il est attiré par de la nourriture. Quand il les a verts, il est amical, voire noir, il est neutre. Quand il les a rouges, il est en colère. Ou même à peur. Attention, Trico est instable. À la base, il ne faut pas oublier que la nature peut revenir au galop, c'est une chimère, et les chimères dans ce monde dévorent les hommes. Donc voilà, vous avez dû sans doute... Bon, se foncer dans la mosaïque n'était pas la meilleure chose à faire. Mais je ne sais pas du tout, je ne sais pas comment faire. Donc voilà, vous devez bien vous douter qu'à un moment, Trico va se retourner contre le petit garçon. Il faudra même fuir votre bête. Mais voilà ce que ce jeu apporte, c'est l'amitié garçon-bête. Parce que Trico va être durement mené durant tout le jeu. Je sais pas ce qu'il faut faire. Peut-être qu'en grimpant dessus, donc là on reconnaît le style à la Shadow of the Colossus, on peut faire des petits jumps en appuyant sur triangle pour grimper plus vite. Mais bon, entre chevaucher Aglo et chevaucher Trico, il y a une différence. Aglo étant le cheval du protagoniste de Shadow of the Colossus. Bon, même en te donnant des ordres pour aller devant, tu refuses de passer tant que les mosaïques restent. Oh, putain. Je découvre en même temps, et croyez-moi que je pense que le temps de jeu résulte du fait de votre temps de réflexion à trouver la solution aux différentes énigmes que vous propose le jeu. Après, quand le gosse se rétame, il met 30 ans à se lever, c'est long, mais... Après, vous allez me dire, bon... Vous avez peut-être l'impression que j'ai un avis super mitigé dans le jeu. Saisir. Mais c'est... Ah ! Va falloir le jeter sur la mosaïque. Ces casques sont des casques... ce sont des ennemis. Enfin, des restes d'ennemis. Ce sont des soldats imprégnés d'une âme. Des soldats en terre cuite et en pierre. Qui vous poursuivent et qui veulent vous amener dans un endroit un petit peu bizarre. Enfin, vous le verrez si j'en rencontre. Puis les autres ennemis, je suppose que ce sont d'autres chimères. J'en ai rencontré une, mais pas affrontée encore. Mais dans les vidéos que j'ai pu voir, il y a d'autres chimères qui vous veulent du mal et Trico va vous défendre. Donc deux ennemis différents comparés aux 16 colosses que nous proposait Shadow of the Colossus, vu qu'il n'y avait aucun ennemi dans toute la map. Après, comme je disais, vous allez me dire, j'ai peut-être un avis mitigé, mais en fait, ce jeu représente plutôt pour moi le 10 sur 20 parfait. Il a ses points positifs, mais qui propose du coup sa part de points négatifs. Mais il a aussi ses points négatifs qui offrent un certain côté positif au jeu. D'où le fait qu'il soit super dur à négocier et à appréhender en tant que vidéotest. C'est plutôt un jeu qui est à proposer en playthrough plutôt qu'en test. Parce que vraiment... Tu veux pas avancer? C'est quoi ces poutres en bois? Ah bah faut peut-être que j'y aille en fait. Après, le jeu est beau. Je sors enfin d'une caméra, vous allez pouvoir voir un petit peu la qualité graphique que nous propose The Last Guardian. Enfin, le jeu est attendu quand même depuis 9 ans. Hein. On nous l'avait proposé déjà sur... on nous en parlait déjà à la fin de la PlayStation 2 quand même. C'est pas pour... voilà. Pas pour déconner, quoi. J'espère qu'il y a quelque chose de plus probant à gauche, parce qu'à droite, c'est pas fameux. Après voilà, il y a malheureusement pas grand chose à dire sur ce jeu. Heureusement que je le teste parce que ça parle, le jeu parle de lui-même, vous allez pouvoir voir de quoi il en retourne. Bon, ça il en a peur de ça, donc ça il va falloir le négocier. Il n'y a pas quelque chose en bas? Ah ben voilà, il y a une stèle. Bon, je vais pouvoir marcher dessus, je vais pouvoir descendre sans me péter la guibole. Il y a des dégâts de chute, sauf quand vous faites une chute, mais vraiment énorme. Je pense même qu'il pouvait survivre à, si je sautais de la terrasse jusqu'aux escaliers, quoi. Du coup, il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu. Oh là là, la caméra, des fois, vous voyez, c'est bizarre. Quand Trico avance, en fait, je sais pas, c'est. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Faut que je saisisse, faut que je le pète, ça aussi. On va le jeter dessus. Mais du coup, voilà, c'est. Ok. Bon, je vais peut-être descendre. Ça va peut-être mieux. Je peux pas descendre? Ah non, ok. Il n'y avait pas d'autres marches dans l'échelle. Allez, on va faire tomber ce machin. Mais du coup, ouais, on l'attend depuis 9 ans et puis il n'y a pas grand chose à dire
Parce que voilà, ça va être une suite d'énigmes. Il va falloir avancer. On ne sait rien du tout. Le garçon parle de façon narrative avec une voix beaucoup plus adulte, alors que quand il s'adresse directement à la créature, il a une voix de jeune enfant. J'ai failli me casser la gueule. Tricot, est-ce que tu pourrais pas... Ouais, je peux pas sauter là-bas. Est-ce que ça marche si je te demande d'y aller? Allez! S'il te plaît! Regarde, je me dandine comme un mongolien, là! Ah, c'est bon. Oh, peut-être. Allez! Oui, c'est bon. T'es en appui. Yes! Parfait. Après, c'est bien fait. Le son est super. Au bout du con, ouais, bah non, j'y arriverai pas. Je pensais qu'il fallait que je saute et que je m'agrippe à sa queue. Parce que j'ai déjà dû le faire auparavant. Après, les temps de chargement, ça aussi, putain. Ça, c'est un peu long. D'ailleurs, il y a des temps de chargement avec des images qui montrent des évolutions d'espèces, d'animaux. Alors ça, ces petits symboles, faut appuyer sur croix, carré, triangle, R1, R2, L1 et L2. Pour pouvoir s'enlever tous ces symboles qui reflètent en fait à la base un proche coma pour le garçon. Donc là je vais bien me mettre sur le côté droit. Ouais parce que en fait si plus il y a de symboles, plus il rentre dans une incapacité. Bon allez, on connaît la chanson, allez Tricot. Donc voilà, les soldats d'âme en fait peuvent vous envoyer des petits sorts qui vous mettent dans le coma, et puis après s'ils vous attrapent, ils peuvent vous amener dans des portes, enfin des portes qui s'ouvrent uniquement quand ils sont là, eux, et dès que la porte se referme, ben, vous avez un game over en fait. Bon alors, est-ce que je vais pouvoir sauter en prenant plus d'élan peut-être? Bon non. Bon non, non, c'est pas possible en fait. Si je fais ça... Allez, s'il te plaît, écoute-moi. De toute façon, tu peux pas avancer, il y a ce truc qui te fait peur là-bas. J'en ai marre de me dandiner comme un mongolien. Reviens. Sale bête. Oui, c'est bon. T'as fait demi-tour. Allez. Pourquoi il me regarde fixement? Oh putain, je crois que j'ai compris. Va falloir que je saute, il va me rattraper. Je prends un peu d'élan. Ah, il y a un bullet time, je pense que c'est ça. Oh, tu m'as... Oh, il m'a attrapé par le col. Bon, ben c'est génial. Oula. Par contre, il me dandine, mais comme un sac à patates. Hein. Je prends des tèges. Eh, ben c'est bien. Ah, bravo. Viens, je vais te faire une caresse. Viens. Non, tu veux pas de caresse? Je vais te faire une caresse à la patte. Voilà. C'est bien. Bon, ok, tu veux pas de caresse. Putain, mais en plus, il m'envoie tèges, quoi. Bon, alors, ce machin-là, ça a l'air un peu loin. Hein. Bon, du coup, ici, je vais... Oh non, putain! Pourquoi j'ai appuyé sur triangle? J'ai sauté comme un mongolien. Oh, le con! Enlève-moi ça. Oh, pitié que j'apparaisse. Oh, c'est bon, c'est bon. Allez, on connaît la chanson, on continue. Non, mais putain, pourquoi j'ai fait triangle? Oh, en plus, une passerelle là-bas. Oh, c'est bon, c'est génial. Mais, ah! Ce délire de la caméra qui penche sur le côté vous amène sur le rebord, quoi. C'est incroyable. Non, la caméra est vraiment mal gérée dans le jeu. Là, vraiment, ça, c'est un gros, gros point négatif. Pour moi, après 16,5, je trouve qu'il ne le mérite pas. Parce que rien que par la caméra, le temps d'attente avec Tricot, quand on lui donne un ordre, ou le système du mouvement... Putain, bouge! Vous voyez, parce que j'ai pourtant décalé le joystick... Je suis allé trop vers la droite, il a failli tomber, il me le montrait. Donc du coup, je le décale en restant vers la droite un petit peu plus vers le haut. Mais non, il fallait que je lâche le joystick et que j'indique un nouveau mouvement. Pour qu'il puisse arrêter de faire genre, oh, je vais tomber dans le vide. Ça aussi, voilà, le mouvement du gamin, l'IA de Tricot et la caméra. Pour moi, je lui mets plus un 14 qu'un 16,5. Quoi. Il perd 2 points de plus sur la moyenne. Quoi. Mais vraiment. Après, 14, c'est pas une note méchante. Et là, il y a tout qui est en train de se casser la gueule. Tricot, on peut l'appeler avec la touche R1. Tricot, mais il y a tout qui tombe en fait. Ah oh oui, mais il y a même Astel qui tombe là. Attrape-moi. Oh.
Bon, c'est ce qu'il fallait faire. Non ! Non, je vais tomber ! Oh non, sa queue. Sa queue, c'est ça ? Oui, c'est sa queue. C'est sa queue ! Oui. Oh. Allez, grimpe. Grimpe, l'ami, grimpe. Après, les musiques sont folles. Hein. Ça me rappelle les musiques de Shadow of the Colossus, elles sont ouf. Allez, cours, cours, tricot, cours, cours, cours. Tu t'en fous de moi. Oh, oh putain, l'ami. Vous voyez, c'est ça, dans les points positifs que le jeu propose, c'est vraiment, vous allez tellement vous entendre avec votre bête, avec toutes les péripéties qui va vous arriver, que le jeu devient très vite attachant malgré tout quand même. Hein. C'est pour ça que sa bonne note quand même résulte dans ce qu'il vous apporte. Dans les points forts en émotion. Voilà, l'émotion que vous apporte le jeu, c'est surtout ça son point fort et sa qualité. Bon, saisir. Il faut saisir le Gorondin. Mais non, oh putain, non, c'est le vase. Ah, mais putain! À peine j'avance, il commence à escalader. Voilà. Allez, on jette ça. Oh, que ça rebondit, on s'en fout. Oula, il a failli me mettre un gros coup. Qu'est-ce que tu veux? Je te fais une caresse, t'es gentil. Je vais grimper sur lui, je pense. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, en fait. Oula. Ouh. Ouh. Eh ben, ça a failli tomber. C'est bien. Allez. Faut que je me barre de là, hop. Vous voyez, la caméra, des fois, quand elle en peut plus, elle fait carrément une fondue en noir, quoi. Par contre, qu'est-ce que c'est beau. Ah, ces vieux temples, c'est vraiment très beau. Mais après, voilà, le gameplay reste toujours très maladroit pour le garçon. Très désordonné. Ah, eh ben dis donc. Riche en émotions, ce petit moment. En action, plutôt. Après, non, Tricot, il est classe. Il a une très belle allure. Un beau panache. Un putain de pédigré. Même si ça n'a rien à voir. Mais... Non, après, on s'attache vite à cette bestiole. Après, j'aimerais bien vous montrer des gardes ou une autre chimère, histoire d'avoir un petit peu de versus fighting. C'est ce qui change après de Shadow of the Colossus aussi, vous allez me dire. Bon, ça aussi, ça, il va pas le kiffer. Oh, il y a des gardes à gauche. Il y en a là. Pff. Allez, viens. Tricot, je t'appelle. Oula. Tricot, viens. Ah bon, il peut pas monter de toute façon. C'est bon, tant mieux. Tricot, allez. Ou si, lui, il peut venir. Ouf, vous voyez, ils m'ont mis un espèce de pet, vous avez vu ces deux petits logos, c'est parce que j'ai appuyé sur une touche que ça a pu s'enlever. Mais plus ça va se stacker, plus il va tomber dans un espèce de coma. Oui, ils me font des espèces de kamehameha là, que ça m'envoie des petits symboles. Mais j'ai peur après de faire plusieurs touches et de tomber Tricot en fait, parce qu'il faut qu'on appuie vraiment sur toutes les touches pour les enlever. Allez, attaque-les. Putain, il peut pas à cause de la grosse mosaïque qu'il y a en haut. Mais... Ah. Putain, ça c'est une horreur, vraiment. Des fois là, quand il est bloqué là contre le mur, putain, mais. J'essaie juste d'appuyer pour me les enlever. Alors, Tricot peut vraiment pas bouger quoi. Il va falloir que je me démerde tout seul. C'est quoi cette porte? Je peux pas y aller. Putain, faut faire tomber cette merde. Putain, mais eux ils vont me lâcher eux au final. Oh là là, je suis en train de me faire trucider. Bon, là il faut que j'appuie partout. Voilà, je me suis tous enlevé. Voilà, s'il saute en l'air, qui pousse avec ses bras dans le vide, qui s'accroupit, c'est parce que j'appuie sur toutes les touches. Hein. Mais allez, Tricot, bordel! Ah, c'est là-bas. J'ai vu, c'est au fond à gauche. Non! Oh putain! Allez! La caméra. Oh putain, mais la porte elle est juste là. Cours. Ne te retourne pas, garçon, cours. Allez, vite. Oh, ce stress que ça offre. Bon, je suppose qu'il faut aller là. Allez, hop. Ils sont en train de me bombarder de symboles là. Effrayé par le symbole de verre, la bête a refusé d'avancer. Bah oui, je sais. Non, tu crois qu'il faut. Allez, go. Ouf. Oh là là. Non, mais vous voyez, ça, c'est encore le souci de la caméra, quoi. Je pensais pas que j'étais aussi près du bord, quoi.
Allez, peut-être qu'un peu de nourriture va t'amener, ça va t'empêcher d'avoir peur. Mais c'est quoi ces mosaïques en forme de Dreamcatcher là? C'est. Oh là là! Bon, de toute façon, je vois pas où est-ce qu'il faut aller là. Je vais le jeter en bas, peut-être que ça va l'attirer. Bon, ça fait rien du tout quoi. Oh là là là. Putain, mais je vois pas du tout. Je crois, les amis, là, je suis un peu paumé. Mais après, c'est ça, voilà. Comme je vous ai dit, tant que vous ne connaissez pas, tant que vous n'allez pas prendre connaissance de la solution qui vous est demandée pour passer ces différents stages, et eh ben c'est. Mais putain, mais la caméra qui se lève, quoi. Examiner la chaîne avec intérêt. Mais oui, j'avais déjà découvert. Mais oui, non, mais d'accord, mais j'ai grimpé. Voilà. Enfin, j'ai compris que la chaîne elle menait à quelque chose, mais. C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Enfin voilà, le temps que vous trouviez la solution, c'est ça qui vous offre du temps de jeu dedans. Après, je ne sais pas combien de temps il dure réellement. D'une traite, quand on connaît le jeu, s'il faut, le jeu doit faire que 2 heures. Non, je pense pas, quand même. Enfin, je veux dire, Fumito Ueda, il est connu quand même pour faire quand même des scénars assez longués. Il suffit rien que de voir Shadow of the Colossus, même en essayant de le speedrunner en faisant les 16 colosses, vous en avez pour au minimum quand même 4 heures de jeu, quoi. Et minimum, hein. Je parle avec un seul try par monstre, sans compter le temps de se déplacer entre chaque colosse, hein. Sinon, on dépasse les 6 à 7 heures de jeu. En fait, j'essaie de voir comment atteindre ça là-bas. J'essaie de regarder de plus loin. Par contre, pour ceux qui l'ont déjà fait, je vous prie déjà de m'excuser, hein, de mon noobisme de ne pas connaître la solution. Et pour ceux qui pensent avoir une idée, ben, je m'excuse de la frustration que je dois vous apporter en. Vous devez vous dire, putain, mais il fout rien, quoi. J'examine. Oh, putain, mais oui, j'ai compris que c'est la chaîne qui apporte un truc. Et si, attendez. Je pensais que ça allait faire balancier, en fait. Non. Que jamais le joystick en haut ou en bas, il fait pas un effet de balancier. Pourtant, c'est bizarre. Parce que. Vous voyez cette barre en fait par laquelle elle est tenue là, ces doubles rails là, je pense la chaîne peut se déplacer. Attendez. Saisir. Oh putain, mais c'est à nous de faire le balancier. Oh le con. Allez hop, je l'amène au bout. Et là j'essaie. Oh putain. J'ai pas réussi à la choper. Attends. Reviens. Allez, hop. Allez, maintenant. Hop. Oh, putain. Non, bon. C'est pas ça. Comment l'amener? Mais non. Mais je suis con, en fait. Voilà, putain, fallait juste. Oh là là, mais je suis un mongolien, mais putain, mais ça paraît tellement évident une fois qu'on le fait, bien entendu. Oh là 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 là. Oh putain, j'ai perdu au moins 3 bonnes minutes à trouver. Et encore, 3 minutes, je suis gentil. Allez, pète-toi la gueule. Parfait. Allez, Tricot, démantelez un peu de gameplay pour nos viewers. Défonce-le, lui. Oh, il a pris un tège. Oh putain, il se fait trancher derrière. Oui, Tricot peut se prendre des blessures, même des lances, et à ce moment-là, il faudra lui retirer. Tu l'as pas tué, Tricot. Finis-le. Il est dans le coma. Voilà, bien joué. Bravo. Bon, maintenant, il faut aller le calmer. Comme d'habitude, il faut le caresser. Allez, oh putain. Oh, je me suis éclaté. Est-ce que je me suis fait mal ou pas? Oh putain, je me suis fait mal. Faut attendre. Puis il faut attendre je ne sais combien de temps. Mais non, Tricot, je suis là, regarde. Je suis ici.
Ah, faut attendre pour regrimper, on peut rien faire, pas de roulade, ni sauter. Tant qu'il a mal, c'est la mort. Enfin, bon. Allez, viens. Je vais te faire une caresse. Eh oui, non mais calme-toi. Oh putain. Calme-toi, bestiole. Je te fais des caresses, je te fais des caresses. Arrête un peu. Oh, les... Putain, ça me laisse même pas faire les caresses parce que je suis pas dans le bon sens, quoi. C'est abusé. Allez, allez, calme-toi. Voilà, t'as des belles caresses. Voilà. Aïe, il est calmé, le petit. C'est bon. Ah, bon. Eh ben voilà. Allez, viens me voir. Je vais te faire une caresse sur le museau. Bon, eh ben écoutez, je pense que voilà, le jeu parle de lui-même. Hein. Ça vous spoil pas non plus pour ne pas voir un versus fighting contre une chimère. Oh, c'est mignon. Je vais du coup m'arrêter là, sur cette belle image de complicité. Ouais, voilà, faut pas trop abuser non plus, il aime pas trop les caresses. Il ne m'aime pas. Donc je vais m'arrêter là. Sur ce, du coup, j'espère que mon gameplay vidéo test de The Last Guardian sur PlayStation 4 vous aura plu. Sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et à ciao tout le monde !